Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois dans Infestation. Vous vous souvenez, la dernière fois, on était allé dans une ville qui doit se trouver là-bas, si je me rappelle bien, si je ne vous dis pas de bêtises. De l'autre côté, bref, je vous suis à plus, c'est pas grave. Et là, j'ai en idée d'aller vers Boulder City, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc Boulder City, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est tout droit. Donc là, je suis ici, Boulder City, c'est ici. Au pire, je fais quoi? Je vais peut-être suivre la route, en fait. Je suis la route, on verra bien ce qu'il va y avoir entre deux. On va voir si c'est des affrontements, n'importe quoi, bref. Donc là, je vais peut-être rester quand même à proximité de la route. Peut-être pas dessus, mais à proximité pour suivre la route. Et on verra bien sur quoi on peut tomber. Donc là, désolé, il fait nuit. Comme vous pouvez le voir, il est 2 h du matin. Donc ça, c'est pas une nuit noire, là il va avoir un petit peu, vous inquiétez pas, j'éclaircirai la vidéo au montage pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors je trouve que les déplacements, les combats et tout ça, et même le jeu lui-même, la nuit est très intéressant. Autant dans DZ, le jeu est assez vite tombé parce qu'on voit absolument rien, il n'y a rien à faire, comme enfin, là, je vous disais, il n'y a pas d'objet à trouver, bref. C'est assez compliqué de jouer la nuit en général, je quitte le serveur tout de suite. Que celui-ci, ben, ça m'est déjà arrivé de me déplacer plusieurs fois à Boulder City de nuit. Et c'est très stressant, mais c'est totalement jouable. Là, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que là, vous voyez, je reste avec vous pour cette vidéo. Donc là, on peut entendre la faune. Alors là-dessus, c'est vraiment très réussi. On entend très souvent des animaux, des bruits d'animaux, des bruits de pas qui sont très bien retranscrits. Comme je l'ai dit à Frère, je trouve qu'Infestation a très bien évolué. Bon, je vais pas répéter ce que je dis la dernière fois. On est là pour être ensemble, voir ce qu'on peut y découvrir. Alors, pour pas faire trop de marche, je vais peut-être en rester là. Vous voyez, je suis encore ici. Voir à peu près ce qui se trouve du côté de Rockyford. Voir ce qu'il peut y avoir là-bas. Donc, on va se retrouver dès qu'on est là-bas. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait quelques mètres en direction donc de Boulder City. Là, je suis tombé sur un barrage routier avec plein de zombies. C'est la folie. Alors, je suis curieux de voir ce qu'on pourrait trouver dans les véhicules. J'essaie d'approcher, voir rapidement ce qu'on peut trouver là-bas. Au pire, je zapperai et je continue ma route. Hein, si je vois que c'est trop dangereux. Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire repérer. Donc là, je reste accroupi. Vu qu'il y a des voitures de flics, je pense qu'on peut trouver des munitions et tout ça. Donc je vais essayer de m'approcher. Mais vous voyez, il y a pas mal de zombies. Alors, je suis en train de compter les zombies. Donc là, il y a une petite quinzaine. 12 à première vue si j'en vois. Si j'ai bien compté, mais vu que c'est dans le noir, je vois pas tout. Après une quinzaine, c'est assez dangereux. Surtout que je sais pas rester trop dans l'air parce que les zombies dans l'air. Ah bah lui, j'avais pas vu par exemple. Ouais, c'est assez tendu. Je vais peut-être pas m'approcher de lui. Je vais faire gaffe à l'air parce que les zombies dans l'herbe sont assez traîtres. Surtout que là, je suis dans le noir. Donc pour les voir, ça va être assez tendu. Et s'il y en a qui me chopent, je serai obligé de tirer et ça va être de la merde. Donc là, je pense que je vais zapper. Vu que je suis déjà bien équipé. Oh, peut-être le casque, ça peut être intéressant. Mais c'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est. Voilà, donc j'ai déjà le casque. Le gun par terre, je l'ai bien récupéré, mais si je me lève, ça risque d'être dangereux. Je vais vite dans l'inventaire rapidement. Hop, voilà. Et ça, c'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est, mais vu qu'il y a des zombies pas loin, je pense que je vais zapper. Voilà, j'ai trouvé une arme, c'est déjà pas mal. Je vais pas tenter de mourir maintenant, c'est vraiment dommage, j'ai l'arme tire dessus.
Donc, ce que je disais, les zombies m'ont entendu, mais vu que je suis accroupi et que je recule, ils ont perdu ma trace. Mais j'ai quand même entendu quelqu'un me tirer dessus. C'est assez dangereux. Et là, vu que je suis dans la lumière de la lune, c'est assez dangereux. Donc là, je ne cacherai pas que je suis assez tendu. Il y a longtemps que je n'ai pas eu un affrontement dans ce jeu. Et vu qu'il fait super noir. C'est assez tendu, là je vois absolument rien. Bon ça, moi je suis zappé les zombies, ça me fait plaisir parce que j'ai failli y passer. Là j'ai vraiment pas eu chaud, j'ai pas d'armes au corps à corps. Mais j'ai quand même entendu un sniper tout à l'heure, après avoir vu c'était un sniper. Et là je ne suis pas tranquille du tout. Ouais, c'est dangereux. Il aurait voulu me tirer dessus, il m'aurait touché, je pense, depuis tout à l'heure. Parce que là, depuis tout à l'heure, je m'arrête assez souvent, je fais du sur place. Bon, je pense que j'étais pas visé, mais le fait que j'ai tiré, ça a dû l'alerter quand même, il a dû m'entendre. Donc là, je restais prudent. Voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois, on sent vraiment la tension, on est toujours sur ses gardes. C'est assez, assez stressant, assez oppressant comme atmosphère. Entre les zombies qui sont cachés dans l'herbe, les humains qui sont prêts à vous abattre pour avoir des ressources, alors qu'il manque pas du tout de ressources hein, dans ce jeu-là. On en a besoin, mais c'est pas non plus. Je peux entendre un bruit. C'est pas non plus introuvable, il faut vraiment se déplacer, chercher un petit peu partout, mais on trouve. C'est vraiment si on fait du sur place qu'on trouve rien, et encore. Donc là, vu qu'à première vue, ben, il se passe rien, on va peut-être en rester là, on va peut-être se retrouver après, sauf si ben, je retrouve mon agresseur. On peut voir que le ciel s'éclaircit au fur et à mesure. Je sais pas quelle heure il est. Je vais peut-être rapidement boire de l'eau. Rapidement. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais peut-être aller rapidement dans mon inventaire. Voilà. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Voilà, donc on arrive à Rocky Ford, donc le petit patelin que je vous ai dit, dans lequel je vais passer pour aller à Boulder City. Donc là, avec ce soleil qui se lève, cette brume, c'est une atmosphère très inquiétante. Ouais, je vois des mouvements là-bas, des zombies. Donc là, vous pouvez voir, il y a des boucliers. Donc là, point de vue, c'est nouveau. J'en ai vu vite fait la dernière fois, mais je me souviens pas d'avoir vu les dernières. Donc, c'est des choses qu'ils ont rajoutées entre deux. Donc là, j'arrive même plus à voir la route. Je sais pas si c'est une route à côté de moi. Je crois si, je devais la suivre. Ouais, c'est très inquiétant. Donc, dans ce jeu, ils ont vraiment très bien travaillé l'atmosphère. Là, vraiment, on sent vraiment qu'on n'est pas en sécurité. Je vais peut-être continuer par là, en faisant tout de même attention au gars qui a tiré tout à l'heure. Je sais pas du tout où il se trouve, mais il doit pas être loin. Il y a du zombie.
Je commence à y aller. Le temps accroupi, ça sera beaucoup moins dangereux. Là, faut vraiment que je reste prudent. Je peux monter dedans. Ça, c'est très mauvaise idée. Parce que là, si je reste bloqué dedans, ça va être dangereux et attirer tous les zombies qui sont autour. C'est pas une très bonne idée, mais on sait jamais. Je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Je rentre vite fait et je ressors. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir ce que c'est. Un chiffon, oui, très bien. Ça me sert à rien. Après, on peut faire des constructions et tout ça. J'ai vu que c'est une nouveauté qu'il y avait dedans. Ils me disent que j'ai pas les plans, que j'ai pas la capacité. Donc pour l'instant, je zappe tout ça. Je sais pas comment ça fonctionne. J'aurai ça plus tard. Donc le chiffon sert peut-être à quelque chose, mais bon. C'est malsain. Par là, c'est pas une très bonne idée non plus. Bon, je vais faire un contournement assez large, en faisant gaffe qu'il n'y ait pas des zombies couchés. Il se lève. Bon, ça fait plaisir, je vais pas vous faire toute la vidéo dans la nuit, c'est ça qui est bien. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les différentes périodes de la journée. Donc là, le petit matin avec la rosée. La brume, le soleil qui reflète dedans. C'est super sympa. Mais c'est pas très accueillant. Alors, à droite ou à gauche? À gauche. Bon, je vais y aller en petite foulée. Ouais, c'est pas une bonne idée. Alors vous imaginez bien que même si je vois des humains passer pas loin, j'ouvrirai peut-être pas le feu. Vous l'avez vu tout à l'heure, les zombies, ben ça les attire. Et je me mettrai plus en danger qu'autre chose. Donc je préfère éviter pour le moment les affrontements. Au pire, j'essaierai d'esquiver comme j'ai fait tout à l'heure, de me mettre accroupi pour esquiver les zombies. Et encore. C'est pas sûr que ça marche, donc je réfléchirai deux fois avant d'ouvrir le feu. Sauf si vraiment j'en suis obligé, comme la dernière fois, bon, hors caméra, j'ai joué. J'ai été attaqué, j'ai vraiment pas eu le choix. Sinon, si je peux éviter, j'éviterai à tout prix. Ici, je vais entrer voir rapidement s'il n'y a pas des choses à ramasser. Une pelle, on s'en fout. Des ciseaux, on s'en fout. Ici, j'ai quoi? De la bouffe. Ça, c'est bien. Ça, c'est quoi? De l'essence, ça c'est nouveau, je l'avais pas avant. Donc on peut avoir les paquets cadeaux. Alors. Oula, t'as bien un mot. Merde, de toute façon, Eh merde, bien joué. Voilà, donc la partie va s'achève ici. J'ai été donc tué par un humain. On peut être très content, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Bien joué. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite série assez courte sur Infestation. Voilà, salut, à plus.